Cette histoire maintenant qui suscite une vive émotion en Grande-Bretagne. Un père de famille vient de lancer une campagne d'avertissement face au danger des jeux vidéo. Il y a quelques semaines, son fils, âgé de 20 ans, est mort après avoir passé 12 heures assis devant sa console. Il a été victime de ce que certains appellent la maladie de la classe économique. Loïc de la Mornay avec Stéphane Guillemot. Chris Staniforth avait 20 ans. Lui qui passait des heures dans son fauteuil l'a payé de sa vie. En se relevant après une nuit de jeux vidéo, le jeune homme portait en lui une véritable bombe à retardement. Il avait probablement passé toute la nuit sur son ordinateur, devant un réseau social ou un jeu. Le lendemain, il est passé prendre un ami en voiture. Ils avaient rendez-vous au Pôle emploi. Chris conduisait. Alors qu'il garait la voiture sur le parking, il a dit à son ami « J'ai une douleur soudaine à la poitrine ». Il est mort sur le parking. Les secours n'ont pas réussi à le ranimer. On sait aujourd'hui de quoi Chris Staniforth est mort. Un caillot de sang s'était formé dans ses jambes, puis est lentement remonté jusqu'au poumon, provoquant une embolie pulmonaire. Ce phénomène, bien connu des médecins, est appelé une thrombose veineuse. Elle peut toucher les passagers en avion s'ils restent immobiles durant les vols long courriers. Chris Staniforth, lui, passait jusqu'à 12 heures par jour assis devant ses jeux vidéo. Son père a décidé de lancer une campagne d'avertissement. Je ne vous demande pas d'arrêter de jouer, mais soyez conscient des risques. Amusez-vous, mais faites une pause de temps en temps. Le jeune Britannique n'est pas la première victime des jeux vidéo. Crise cardiaque, mort par épuisement, démence, les faits divers sont limités mais réguliers dans le monde. Certains pays, asiatiques notamment, ont même mis en place des cures de désintoxication pour joueurs.